serrer un peu le ventre. Sentez ce petit creux qui se crée au-dessus du pubis et cet éloignement du nombril du sol. Maintenez ça, ne lâchez pas. Continuez à respirer tranquillement. Et puis on va venir tourner nos talons vers l'intérieur. Ouvrir nos jambes à la largeur du tapis et venir placer nos bras en chandelier, les coudes à la hauteur des épaules. Le front dans le sol, on inspire, on engage le périnée, on serre le ventre, on appuie sur nos mains et nos coudes pour trouver la descente des omoplates vers le coccyx et on remonte le haut du corps. Serrez bien le centre. Inspirez, maintenez toujours le ventre, sentez cet éloignement du tapis et revenez. Et expire, périnée, serre le centre, 2, 3, 4, et inspire, maintiens, reviens. Essayez d'alléger les avant-bras, de ne pas forcer sur les bras au départ, et expire. L'extension du haut du corps vient par le centre et par les muscles du dos, et reviens, maintiens ton centre, maintiens, maintiens. Et de nouveau, presse bien les paumes de main, les coudes dans le sol. Oui, remonte. Et tiens ton centre pour revenir. La prochaine fois, on va allonger nos bras. On inspire. Le même départ. Périnée, serre le ventre, glisse les omoplates. Remonte le buste. Puis pousse sur tes mains pour allonger les bras sans que les épaules et les omoplates remontent. Garde bien la direction vers le coccyx. J'inspire, je tiens mon centre, je ramène mes coudes en premier et avec l'idée de ramener la poitrine en premier. Donc l'estomac en dernier et contrôle. Inspire, expire, périnée et omoplate et remonte le buste. Repousse le sol avec tes mains. Dirige bien les omoplates vers le coccyx, serre bien ton centre, éloigne ton nombril du tapis, ramène coude, contrôle ta descente et reviens en douceur. Inspire, périnée, serre le ventre et de nouveau par le haut du corps. L'extension, pousse sur tes mains, cassez pas la nuque. Gardez un regard à l'oblique vers le plancher. Et contrôler le retour, accompagner. Oui. On va venir refermer nos deux jambes, bien parallèles, et faire glisser nos paumes de main près de nos hanches. Les mains sont à plat. On maintient à l'intérieur des chevilles, vraiment, on cherche à coller nos chevilles, à allonger vos genoux. Donc vos jambes sont tendues, les fessiers sont engagés. Bout du nez dans le sol. Inspire, périnée, serre le ventre, fais glisser tes mains pour abaisser les omoplates, décolle les mains en même temps que tu décolles le front et inspire, reviens, ne cassez pas les cervicales, maintenez le regard vers le plancher et expire, périnée, serre le ventre, allez, contracte bien ton centre, cherche la longueur et reviens en douceur. Et de nouveau, et abaisse les omoplates, et serre le centre, ne montez pas la nuque, restez, et reviens. Et dernière fois, périnée, et engage, trouve la hauteur, l'extension, et reviens en douceur. Allez, on ramène nos mains près de notre poitrine. Les coudes vers le plafond. Ouvrez un tout petit peu vos jambes parallèles au bassin. On inspire, on se repousse du sol, on amène le regard de face. Et le regard vers le nombril pour amener les fesses vers les talons. Mais gardez vos mains où elles se trouvent. Voilà, cherchez d'abord à allonger dans vos colonnes. Puis faites glisser vos mains pour venir déposer les fesses sur les talons. Inspire, engage ton périnée, serre ton centre
et déroule-toi par le bas du dos. Allez, sens la sensation du poids des bras. Trouve la longueur dans ta colonne. Viens placer tes deux mains sur les épaules. Inspire, cercle vers l'arrière. 2 et 3. Et 4. Et change de sens. Et vers l'intérieur. Mobilisez bien les omoplates. Voilà, sentez le mouvement même des côtes. 3. Et 4. Glissez vos mains sur l'avant des cuisses, par le sommet du crâne et par le centre. L'idée de venir se placer sur les genoux. On inspire et expire. Monte. Oui. Et viens placer de nouveau tes deux mains. Viens ouvrir les coudes à la hauteur vraiment des épaules. Abaisse bien les omoplates. Mais crée une belle distance entre tes oreilles et tes épaules. On tient le centre de face. On ne bouge pas le bassin. Vraiment les deux crêtes iliaques face au miroir. Et inspire. On part à droite pour le spine twist. Expire. 2, 3, 4. Renforcez l'appui du genou gauche pour vraiment maintenir vos crêtes iliaques de face. Et expire. 2, 3, 4. Et inspire. Reviens. Maintiens bien ton centre, ne lâche rien et expire. Inspire, reviens. Et ouvre bien tes côtes, expire. 2, 3, 4. Et inspire. 2, 3, 4. Et de nouveau, expire. Toujours bien le centre, tenu, les obliques. On travaille le multifide, inspire. Et dernière fois, expire. Et reviens de face. Allez, juste les bras, on relâche un peu les mains flex. Abaissez toujours les épaules, maintenez. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et on va faire des tout petits mouvements articulaires dans les poignets, dans les coudes. Voilà, détendez, relâchez, trouvez la légèreté au mouvement. Une qualité très douce. Et on vient placer nos deux mains sur nos cuisses. On va ouvrir un tout petit peu nos genoux vers l'extérieur. On maintient vraiment cet alignement. On va inspirer, on va aller vers l'arrière légèrement, petit. Et sur l'expire, vraiment le périnée, le centre. Et on revient dans l'alignement. Et inspire. Et expire, reviens. Et de nouveau, inspire. Et périnée, engage-le. Maintiens vraiment sous toi et inspire et expire. Forcez pas dans les épaules, restez relâché dans le haut du corps et toujours le pubis bien vers l'avant et de nouveau inspire et expire. Allez, on va déposer nos fesses sur les talons, juste ouvrez un peu les genoux et n'hésitez pas à faire des petits mouvements de votre bassin vraiment pour détendre. Dans le bassin, dans les têtes de fémur. Voilà, on joue vraiment avec cette mobilité articulaire. Et on va venir placer nos genoux parallèles. Et venir s'installer en quadrupédie à quatre pattes. Donc vérifiez bien la distance entre la main et vos genoux qui correspond à la distance de votre buste, à la longueur de votre buste. Regardez devant le miroir. Laissez tomber un peu la tête dans les épaules et sentez comment vous repoussez. On repousse, voilà, on replace les omoplates. On repousse par le dessous des mains. Donc on trouve une certaine tonicité également dans nos bras, nos poignets. Et on ne verrouille pas nos coudes complètement. On relâche un petit peu dans les coudes. Allez, de là on replace le regard vers le tapis. On cherche la longueur dans le sommet du crâne. Et on cherche bien sûr à abaisser nos omoplates vers le coccyx. On inspire, on va amener le regard au plafond en sortant les fesses au plafond. Et sur l'expire, repoussez le sol par les mains pour arrondir le haut du corps. Et inspire, 2, 3, 4. Et expire, presse le sol. Arrondis bien au niveau des dorsales. Et de nouveau, inspire, 2, 3, 4. Et expire, repousse. Et même chose, inspire, 2,
3, 4 et repousse. Laisse le regard dans le nombril, laisse aller les fesses vers les talons. Détends dans les poignets, les paumes de main vers le haut. Inspire, engage le périnée, serre le ventre et déroule-toi. Viens placer ta fesse gauche dans le sol. Ouvre l'angle des genoux, abaisse, colle tes genoux l'un sur l'autre. Voilà, essayez de vraiment amener les deux genoux. Et votre main, la hauteur, est sur la même ligne que les genoux. Même chose, la main sous le sous l'épaule, pardon, et on cherche à se repousser. Donc, laissez pas tomber la taille, repoussez dans le sol, éloignez l'oreille de l'épaule, bras sur le côté, on va soulever le bassin du sol, on va bien amener le pubis un petit peu vers l'avant. On inspire et expire 2, 3, 4. Ne laissez pas tomber la tête, maintenez et inspire, amène. Ne pose pas la hanche si tu peux. Et expire, même chose avec la longueur de la jambe à la hauteur de la hanche. Et inspire, amène. Contrôle. Et sans la jambe. Expire, 2, 3, 4. Inspire, presse l'air. Serre bien ton centre. Et avec la jambe, 2, 3, 4. Et inspire. Allez, courage, encore 2, 3, 4, et reviens, serre le centre, et expire, 2, 3, 4, allez, cherche à éloigner le sommet du crâne, inspire, et cherche à monter légèrement un peu plus la jambe, expire, et on ramène en douceur, contrôle, oui, ramenez un petit peu plus vos genoux vers vous, et venez vraiment vous installer, voilà, assis. On place notre main gauche derrière la tête. On cherche la longueur dans la colonne, dans la taille. On crée vraiment des espaces et on vient juste sur le côté. Et inspire. Et expire par le nez, aspire par le nez. Voilà, si tu peux gagner un peu. Tu gagnes, mais ne t'effondre pas. Va chercher vraiment la longueur. Une petite diagonale vers le plafond. Ça va? Allez, ouvrez le coude. Détendez le visage. Tranquille. Allez, puis on va détendre. On va relâcher dans la tête, dans le bras, tranquillement. Et on va revenir à quatre pattes. Allez, on abaisse les omoplates, on trouve la longueur dans sa colonne, la distance sommet du crâne sacrum. Et ce qui est important, c'est l'appui. L'appui et le poids bien répartis sur vos quatre appuis. Donc on va venir juste glisser le pied droit derrière, allonger la jambe. Il va falloir ne pas basculer, ne pas amener du poids sur le côté gauche. Donc on inspire et serre ton centre, ton périnée, allonge, fais glisser la jambe sur le coup de pied, vérifie vraiment que tu ne sois pas parti sur le côté. Reste bien de face et surtout tes crêtes iliaques bien de face. Allez, on inspire. Sur l'expire, c'est vraiment le centre qui est moteur, qui ramène ce genou vers le bout du nez. Et inspire, cherche à retrouver la longueur de ta colonne, à abaisser les omoplates. Et expire, 2, 3, 4, et inspire, allonge, et par le centre, le périnée, 2, 3, 4, inspire, longueur, abaisse les omoplates, sommet du crâne, et dernier, 2, 3, 4, et allonge, inspire. Allez, garde vraiment la longueur, repousse-toi bien des bras, et déverrouille un peu les coudes, on inspire. Expire, décolle la jambe à la hauteur. Attention de ne pas ouvrir dans la hanche, revenez bien de face. Juste inspire, petit battement. Expire. Inspire, vérifiez votre poids, qu'il soit toujours entre vos deux mains. Expire, tiens bien ton ventre, soutiens. Inspire, abaisse dans le dos. Expire. Inspire. Expire, t'effondre pas, repousse-toi bien du sol, inspire,
Expire. Inspire. Expire. Allez, on détend, on relâche. On ramène nos deux genoux sur le tapis. Le regard de face. Amenez la fesse droite vers le talon droit. Si vous ne descendez pas jusqu'en bas, ce n'est pas grave. Et amenez le talon gauche. Et de nouveau à droite. Et à gauche. De nouveau droite. Et gauche. Le regard de face, regard nombril, laisse aller les fesses vers les talons. Replace le regard de face pour revenir. Et on trouve vraiment cette ondulation. Voilà, essaie de trouver un mouvement qui s'allège. Voilà, on joue avec les courbes de la colonne, avec une belle mobilité de vos vertèbres. Allégez bien le mouvement. Ne cherchez pas à le faire avec force, mais bien au contraire avec de l'air. Voilà. Et détends. Et on va garder le regard de face. Et on va laisser aller nos fesses vers les talons. Détendez les poignets, les paumes de main vers le haut. Lâchez complètement le poids, le ventre sur les cuisses. Inspirez. Engagez le périnée et déroulez-vous par le bas du dos. Allez, on installe la fesse droite dans le sol maintenant. Recentrez-vous au niveau du tapis. Les genoux, l'ouverture des genoux. Voilà. La main vraiment au niveau de l'épaule. On se repousse bien la taille du sol, l'oreille loin de l'épaule. On inspire. Allez, on expire, on soulève le bassin. 2, 3, 4. Inspire, amène, contrôle ta descente, ne t'écoule pas. Oui. Et expire, la jambe vraiment dans l'alignement. Pousse bien le pubis vers l'avant. Oui. Inspire, reviens. Pas très bien aligné, il faudrait que tu recules un tout petit peu ta main. Voilà. Et de nouveau. Et inspire. Et avec la jambe. Voilà, repousse-toi bien. Oui. Et inspire, reviens. Et sans la jambe, le bras, tu peux la mettre dans cet alignement. Oui. Sans monter l'omoplate. Inspire, reviens. Et on reste avec la jambe en haut. Allez, on cherche à monter. Reviens un peu avec le bassin de face. Oui. Et contrôle le retour. Et dépose dans le sol. Oui. Allez, on remonte un peu nos genoux. La main derrière la tête. Allez, on cherche à allonger dans la taille, à allonger dans nos côtes, à ne pas s'écrouler, à chercher vraiment des espaces. Ouvrez bien ce coude. Si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez très bien placer votre main derrière le dos. Cherchez à ouvrir dans l'épaule. Et cherchez la longueur. Par le nez, visage décontracté, mâchoire décontractée. Je rigole pas ce matin. C'est du sérieux. Allez, on détend en douceur. Et on vient se replacer à quatre pattes. Allez, l'alignement, les omoplates, bien vous diriger vers le coccyx, le poids bien réparti sur nos quatre appuis, les mains sous nos épaules, les coudes déverrouillés. Maintiens ton périnée, maintiens ton centre, inspire, expire, glisse ce pied gauche dans le sol, garde-le dans le sol, sans que tu ne t'en vas pas vers le côté droit, sans que tu gardes ton bassin bien de face. Inspire, serre ton centre et expire, ramène. Genou. Et inspire, allonge. Et allez, périnée, le centre qui est le moteur. Donc vraiment, tu engages transverse. Voilà, pour ramener ce genou vers toi. Pense à descendre dans le dos les omoplates. Et de nouveau, pense à replacer tes cervicales. Trouver une longueur. Sommet du crâne vers l'avant. Et de nouveau,
Et allonge. Et le petit dernier, j'ai pas compté, mais c'est pas grave. Et allonge. Allez, on maintient bien, on inspire, on soulève cette jambe du sol à la hauteur. Et petit battement, expire. Allez, vous écroulez pas, partez pas sur le côté. Inspire. Voilà, tenez bien le ventre. Expire. C'est bien. Le regard, la nuque, les épaules, on n'oublie rien. Allez, on engage son périnée. On contracte. Fais en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement dans le buste. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Expire. Allez, la détente. Hop, les deux genoux dans le sol. De nouveau, le regard de face. Et étalon gauche. Et reviens, étalon droit. Et reviens, et gauche. Et reviens, et droit. Et reviens, regard de face et nombril et haut. Et reviens avec le regard, oui, et oula, nombril. Et reviens, et de nouveau, oula. Et reviens, et le dernier, hein. Reviens de face, laisse le regard de face, laisse aller tes ischions vers les talons. Et détends. Fais glisser un peu tes mains si besoin pour bien laisser aller votre ventre sur les cuisses. Voilà. Allez, on inspire. On engage le périnée et on déroule par le bas du dos. Faites glisser les omoplates. Trouvez vraiment le sommet du crâne. On enroule par la tête et on va venir se placer sur notre ventre. Les jambes sont dans la largeur du bassin. On ne tend pas nos jambes, hein, on laisse vraiment les jambes décontractées. Et on vient placer nos deux coudes dans le sol. Et on vient s'appuyer sur ces coudes. Comme tout à l'heure, cherchez la sensation lorsque vous vous repoussez du sol. Voilà, repoussez-vous bien. Coudes serrés l'un contre l'autre. On abaisse les omoplates et le regard va rester à l'oblique. Attention, très souvent dans cet exercice, on laisse un peu tomber la tête parce que ça devient difficile. Donc, pensez à vraiment garder les omoplates et le regard à l'oblique devant vous. Allez, on va inspirer. Sur l'expire, j'engage mon périnée, je serre déjà mon ventre, je pousse le pubis dans le sol et je viens décoller mon bassin du sol. J'inspire, je reviens sans déposer mon pubis. Et j'expire, je repars. Donc, poussez bien le pubis vers l'avant. Allez, inspire, reviens. Laisse pas tomber ta tête, Dominique. Et expire, repoussez bien. Attention de ne pas laisser le ventre se cambrer. Venez bien remplir les lombaires. Inspire et de nouveau, expire. Allez, Céline, attention tes lombaires. Voilà, remplis vraiment dans le bas du dos. Oui, inspire. Et le dernier, et je fais glisser mes omoplates, j'y pense. Et reviens. Allez, dépose-toi. Redresse-toi un petit peu comme un sphinx et détends ton ventre. Laisse-le vraiment s'étaler dans le sol. Décontracte. Respire même par le ventre pour sentir voilà, cette respiration résonner dans le plancher. Allez, on repart. Poings serrés. Repousse-toi bien. Abaisse bien les omoplates. C'est parti. Inspire, périnée, serre le ventre et pubis 2, 3, omoplate, maintiens 4, inspire, reviens 2, 3, 4, expire, n'appuie pas sur tes orteils, retourne tes orteils, 4, inspire, maintiens, abaisse bien les omoplates et expire, tiens bien ton centre, oui, inspire, allez courage le petit dernier et expire. Attention, pas par les fesses, hein, Céline, viens combler un peu. Oui, et inspire, reviens. Allez, on détend, on dépose nos mains près de la poitrine, les coudes vers le plafond. Inspire, le regard de face, repousse-toi. Regard nombril, laisse aller les ischions vers les talons. Trouve la détente, lâche le poids.
Inspire, engage le périnée, serre le ventre et déroule-toi. Et enroule. Et quatre pattes, orteils, on amène le bassin vers le haut. On repousse le sol avec nos mains pour allonger dans la colonne. On laisse bien descendre les talons vers le bas. Restez là sur trois inspirations. Essayez de bien sentir l'allongement de vos ischio-jambiers et de votre colonne. C'est ça. Allez. Et on inspire, on amène les mains vers les pieds. On a le droit de plier nos jambes, de garder le tendu pour placer ses talons dans le sol. Lâchez bien la tête. Inspirez, serrez le centre. Déroulez-vous par le centre et n'hésitez pas à replacer bassin et omoplate qui glisse vers le coccyx et trouver la longueur jusqu'au sommet du crâne. Ça va? Allez, on sort du tapis. Un petit peu, voilà, vers l'arrière. On trouve son alignement, pied parallèle. On trouve la longueur dans son centre, dans sa colonne, sommet du crâne au loin. Les bras relâchés, on va abaisser l'omoplate et l'épaule pour amener le bras sur le côté. Et on fait la même chose à gauche. On vient entrelacer nos doigts de la main. On inspire, on va enrouler par la tête, mais on ne recule pas le bassin. On s'enroule et on amène les mains vers l'avant. On tient son centre, on respire. Et on va amener nos bras vers le plafond ainsi que le regard. Engagez bien les omoplates, laissez voilà, les épaules remonter vers les oreilles et puis détendez, faites glisser vos omoplates, retrouvez vos paumes de main face, amenez vos mains, paumes de main vers l'extérieur, inspirez, engagez le centre, dites-vous que vous remontez par le sommet du crâne et par le centre, expire, soulève les talons et inspire, reviens, contrôle par le dessous des fessiers et de nouveau, expire, 2, 1, 3, pressez l'air avec vos paumes de main. Inspire. Allez, donnez une qualité au mouvement. Voilà, ça va vous aider aussi. Voilà, dans l'équilibre, dans le maintien. Voilà, inspire, reviens. Et expire par le centre, je monte par le sommet du crâne, non pas par mes chevilles. Et inspire, reviens. C'est bien. Et expire. Allez, on va rester là-haut. On va amener un bras droit dans la diagonale, bras gauche. Allez, on se tend le spine twist comme ça. On inspire, on serre bien son ventre. Et sur l'expire, on part à droite. Tenez le centre. Tenez. Tenez, c'est bien. Et inspire, reviens. Oui. Et vérifiez vos épaules. Abaissez bien dans le dos, les omoplates. Expire, accompagnez avec le regard. Inspire, reviens. Et on presse l'air. Et on revient en douceur. Oui. On amène le pied gauche derrière soi. Pied droit devant. Vraiment les deux crêtes iliaques de face, le bassin bien de face. Les pieds parallèles, on inspire, on monte les épaules aux oreilles. Sur l'expire, faites descendre. Allez, et puis sentez, hop, cette petite fermeture où on engage la tête. On ne recule pas le bassin en arrière, on est au-dessus du centre. Sur l'inspire, on monte les bras qui vont ramasser notre tête. Oui. Attention, ne remontez pas la tête avant les bras. Faites en sorte que les bras ramènent la tête. Et on presse l'air pour dégager vraiment les épaules des oreilles. Et de nouveau, inspire, expire, oh, serre ton centre, enroule, inspire, bras. Déroule bien par le bas du dos, viens remplir vraiment ta colonne, le nombril vers la colonne, et expire, reviens. Et de nouveau, inspire. Et expire, par la tête, je m'enroule. Inspire, bras. Je me déroule plus proche de ma colonne. Et expire, je presse. On finit les bras devant. On vient juste plier la jambe de derrière. Attention à votre genou. Alignez bien au-dessus des orteils. On contrôle, on contrôle, on contrôle. On va chercher un peu vers l'avant. Et on revient par le centre. Donc, on déroule bien par le bas du dos. Et on retrouve
son alignement, son équilibre au centre. Et de nouveau, et vers le bas. Lâchez pas votre ventre. Maintenez. Et par le centre. Allez, sentez. Centre actif. Vous repoussez du sol. Et déroule sommet du crâne. Et troisième fois. Et doucement, contrôle. Arrondis bien par le bas du dos. Et reviens de face. On amène les bras à côté et le poids sur la jambe de derrière. On amène les mains flex. On fixe un point devant soi, on ne s'écroule pas. On ne cherche pas non plus à monter la fesse. Gardez l'alignement. Pied flex, on inspire. Et si on peut, on fait des petits battements. Autrement, on reste juste là. Expire. Serre bien ton centre. Inspire. Abaisse bien les épaules. Expire. Toujours la longueur. Dans le centre, dans le bas de la colonne. Ta fesse pas vers l'arrière. Et expire. Et un peu plus tonique, vos petits battements. Inspire. Et on expire. Allez, hop, on va refermer le pied. On va venir coller nos deux pieds l'un contre l'autre. Les épaules, les bras tranquilles. On va s'enrouler. Mettez un peu de poids vers l'avant des pieds. Inspirez, engagez le centre. Commencez vraiment par la tête. Enroulez, relâchez complètement les épaules et les bras. Passez par-dessus un ballon, une barrière. Donc, engagez le centre pour arriver jusqu'en bas. On inspire. On engage le centre, le périnée. On pousse les talons dans le sol. Et par le centre, on replace le bassin, les omoplates qui glissent. Et on s'arrête vraiment en sentant le sommet du crâne, une petite plume d'indien qui vient toucher le plafond. Même chose deux fois, les yeux fermés. Et inspire et expire. Allez, sans comment ton corps s'organise, il faut coller ses pieds. Marie, oui, voilà. Allez, vérifiez que vous ne mettez pas de tension dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains. Que vous avez vraiment complètement détendu la tête, vos cervicales, que vous ne retenez pas. Et déroulez vraiment par le centre. Et par le centre, serre ton centre, fais glisser les omoplates. Voilà, la tête en garde, vraiment, c'est tout un peu plus simple. L'articulation. Oui, oui, je sais. Voilà. Oui, les omoplates, Dominique? Oui, un peu trop tôt, mais voilà, sans que ton bassin revienne. C'est ça, et on se déroule en douceur. Allez, hop, on maintient vraiment cet alignement. On vient placer nos deux bras de face, paume de main face, et on va refermer. Donc les épaules à la hauteur des coudes, et on réouvre. Donc tenez le ventre, et ferme. Et ouvre. Et ferme. Et ouvre. Ne monte pas les épaules. Abaisse toujours cette belle distance entre tes oreilles et tes épaules. Et éloigne les deux épaules l'une de l'autre. Cherchez la largeur du dos à éloigner vos omoplates l'une de l'autre. Tenez le centre. Tombez pas. Maintenez. Déverrouillez un peu les genoux. Laissez du poids aller dans la terre. Voilà. Soyez pas en extension. Et. Et on reste, on inspire, on cherche juste à monter, à donner une direction au niveau des dorsales, monter le sternum vers le haut sans casser les cervicales. Et on replace dans le dos. Oui, et de nouveau, monte. Voilà, allonge vraiment un fil derrière tes cervicales qui s'allonge et revient. Mais ne montez pas les épaules. Et de nouveau, dégage bien les épaules des oreilles. Mieux. Et reviens. Tiens toujours ton centre. Ne le lâche pas. Et dernier. Ouvrez vos paumes de main. Ouvrez vos doigts. Voilà. Oui. Allez, on détend. Et on amène. Pied droit derrière. Bassin de face. Le poids bien réparti. Voilà, entre vos deux pieds. Inspirez, montez les épaules et glissez les omoplates. Et vous continuez à glisser, à donner une direction vers le bas. Enroulez la tête,
le centre des bras qui remonte, inspire. Et presse l'air. Allez, trouve de la hauteur, dégage les oreilles, les épaules, le sommet du crâne et inspire. Et expire, serre ton centre en rond. Trouve ton équilibre, le poids bien au milieu. Inspire, viens. Et abaisse dans le dos. Et de nouveau, serre le centre. Et inspire. Et expire, abaisse. Et bras devant. Fléchis la jambe de derrière. Laisse-toi aller. Attention. Voilà, contrôle. Et reviens par le centre. Déroule bien par le bas du dos. Resserre. Trouve l'alignement. Et de nouveau. Et. Et le centre. Et dernier. Et. Oui. Et reviens de face. Et donnez une vraie direction par vos bouts de doigts. Remplissez votre corps dans les extrémités. Et dégagez côté. Oui, poids du corps sur la jambe de derrière. Main flex. Inspire. Et. Pied flex. Maintiens. Et petit battement. Tonique. Oui. Allez, ne crispe pas tes orteils dans le sol. Essaie d'étaler vraiment les orteils de la jambe de terre. On allonge. Placez votre regard de face. Ça allonge aussi dans vos cervicales. En montant, un regard qui tombe. On a la nuque qui va voilà, vers l'avant. Donc, dégagez, c'est important. Donnez cette présence. Et. Allez. Et on referme. Et on va juste aujourd'hui ouvrir. Voilà, dans une première position. Nos pieds. Donc on cherche vraiment l'ouverture dans nos têtes de fémur. Et vous allez vraiment commencer par engager le dessous des fesses. Hein, sentez en dessous. Vous vous souvenez de l'histoire du petit ballon hein, où vraiment on sentait cet engagement des fessiers. Donc on inspire. On resserre par le dessous. Et par la tête, on vient s'enrouler. On serre le centre. On serre à l'intérieur des cuisses. On détend le poids, on inspire. Et par le centre de nouveau, étalons dans le sol. On resserre par le dessous, bassin qui se replace, les omoplates. Et on trouve voilà, sa verticalité. Et yeux fermés, deux fois. Démarrez bien par la tête, prenez vraiment conscience. Les yeux fermés, on a beaucoup plus d'intériorité, donc on a plus de conscience. Donc voilà, essayez de vraiment vous écouter de l'intérieur. Voilà. Attention Dominique de ne pas faire ce mouvement trop fort. Voilà. Démarre bien par la tête Marie-Claude. Voilà. Allez, mes cervicales. Que je détends, forcez pas, tirez pas. Et on se retrouvera en haut. Voilà, pas de tension dans les bras, dans les mains. Lâche les mains, Maïté, tes bras. Oui. Allez, on vient s'installer à l'avant du tapis. On a deux options, on peut descendre les jambes croisées ou bien poser un genou, une main et l'autre genou. Oui. Croisez ses jambes. On fléchit, on amène les ischions vers l'arrière et on vient s'asseoir en douceur. Allez, on vient allonger nos jambes devant nous, les jambes collées, les chevilles allongées et on vient repousser les ischions dans le sol. Vous pouvez vous aider de vos mains, de vos poignets ou de vos mains. Vraiment pour sentir la repoussée, l'abaissement des omoplates. Si vous sentez que vous avez une bascule du bassin, vous pliez un peu vos jambes pour trouver vraiment les ischions bien plantés et l'alignement. Les bras sur le côté, on inspire, on engage le périnée, on serre le centre, on enroule par la tête. Et on vient dans un premier temps s'enrouler en restant.
instant au-dessus du bassin. On reste, on vérifie nos épaules, ne pas les mettre sous tension, décontractées. Continuez à serrer le centre, inspirez par vos côtes. Expirez. Sur la fin d'inspiration, tu peux gagner un tout petit peu plus. Fin d'inspiration. Expire. Et on va se dérouler en douceur, en sentant vraiment que vous repoussez sous vous par le dessous des cuisses et par la présence des ischions dans le sol, jusqu'au sommet du crâne. Oui. Allez, on inspire. Expire, enroule 2, 3, 4. Inspire, déroule 2, 3. Pieds flex, bras devant 4. Et expire, enroule vers le sacrum. 2, sans forcer, le regard de face. 3, 4. Inspire, mets le regard dans les chevilles. Et amène le regard vers les pieds pour trouver la courbe dans le haut du corps et pour sentir l'engagement du centre. On retrouve nos ischions pour de nouveau s'enrouler. Expire, 2, 3, 4. Et inspire, déroule, pieds flex, main devant. Expire, place le regard dans ta main droite et viens juste ouvrir le bras droit. Reste là, inspire, amène le bras, allonge les chevilles, regarde dans les pieds. Expire, remonte bien avec la courbe du haut du corps. Et hop, et spine stretch, on enroule par la tête, serre bien ton centre. Trouve la fluidité au mouvement et déroule, pieds flex. Et expire, regarde main gauche, 2. 3, serre ton centre, 4, ramène que le bras, allonge les chevilles, regarde dans les pieds, cherche, oui, haut du corps, et sans engager les épaules, retrouve les ischions, et de nouveau par la tête, expire, 2, 3, 4, et déroule, inspire, pieds flex, bras devant, et bras droit, 2, 3, 4, ramène le bras, inspire et regarde pied, allonge et force pas dans les épaules, maintiens les ischions, repousse, voilà, mets de l'air dans tes vertèbres et enroule 2, 3, 4 et de nouveau de l'espace dans tes vertèbres jusqu'au sommet du crâne, pied flex et bras gauche, 2, 3, 4 et reviens. Et longueur des chevilles et enroule 2, 3, 4, oui. Allez, juste une détente, lâchez un peu les jambes vers l'avant, le ventre, on laisse tomber les épaules, les cervicales, on les détend, laissez le poids faire les choses. Inspirez, engagez le périnée, déroulez-vous par le bas du dos. Allez. On avance un petit peu nos fesses au bord du tapis. On va venir complètement s'allonger. On essaie vraiment de contrôler sa descente. Bras devant. Inspire. Périnée. Serre ton ventre. Et essaie vraiment de passer par tes lombaires. Maintiens. 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 Oui. Allez, on y va. On y va. Oui, on ne tire pas sur les épaules. On maintient. On contrôle. On contrôle. On contrôle. On contrôle. On contrôle, on contrôle et on retrouve le sol en détente. Allez, on va amener nos deux pieds sous vos genoux, les genoux au plafond, les pieds parallèles au bassin, pardon. On trouve notre position neutre, donc on ne creuse pas complètement le dos, on n'aplatit pas les lombaires, on laisse un petit espace derrière nos lombaires, on rapproche un peu nos basses-côtes, vraiment du pubis. On donne une longueur à nos bras pour sentir vraiment l'abaissement des omoplates dans le dos vers le coccyx et on replace un peu le menton si nécessaire pour retrouver l'alignement dans nos cervicales. On part pour le shoulder bridge, on inspire, on engage le périnée, on serre le ventre, on cherche la bascule du bassin sans engager les fessiers, on vient bien rouler sur nos lombaires et on enroule par le pubis. Attention de ne pas laisser vos genoux s'écarter, travaillez sur les petits et grands adducteurs, resserrez, maintenez entre vos jambes et revenez sur un temps d'expire. N'hésitez pas à pousser un peu les pieds dans le sol pour davantage mettre de poids sur vos vertèbres.
Et faites attention, suspendez le bassin pour bien repasser comme un rouleau à pâtisserie sur vos lombaires. Retrouvez la position neutre et repartez. Et expire 2, 3, 4. Contrôle dans les jambes. Vérifie tes appuis, tes pieds bien à plat. Inspire et expire. Viens bien t'enrouler. Et continue. Enroule bien. Maintiens ton centre. Passe par tes lombaires. Et retrouve la position neutre. Et une troisième fois, fessiers relâchés au départ. Sentez vraiment que c'est le centre qui est moteur du mouvement. Et vers le haut, laisse pas ouvrir tes jambes. Et reviens, pousse sur tes pieds, vertèbre par vertèbre. Et mes lombaires, les positions neutres. Allez, la prochaine fois, on va s'arrêter en haut. Inspire, périnée, serre le ventre, enroule, expire. Ah, on renforce l'appui de la jambe gauche par le dessous du fessier, par le dessous de l'ischio et par la présence du pied. Et on va décoller le pied droit du sol. Inspire, décolle le genou à la hauteur de la hanche. Expire, viens pointer ce pied vers le sol sans que tu t'affaisses dans le bassin. Inspire, reviens. Et expire, garde bien tes deux crêtes iliaques bien de face. Et inspire, reviens. Trouve un mouvement fluide, expire dans ta hanche et inspire en douceur. Et le dernier, expire, repousse bien la jambe de terre, inspire, reviens. Et viens placer ton pied à côté de l'autre, attention, on part directement sur l'autre jambe. Soulève pied gauche, inspire et expire, 2, 3, 4 et inspire, reviens. Et expire, 2, 3. Garde bien ton centre tenu, ton périnée engagé. Inspire, reviens. Et de nouveau, expire, 2, 3, 4. Et inspire, reviens. Et expire, ramène le pied dans le sol. Rééquilibre ton poids bien sur tes appuis avant de dérouler de nouveau tes vertèbres, une par une. Tranquillement, suspendez le bassin, sentez le retour des lombaires, retrouvez la position neutre et amenez genou droit vers la poitrine, genou gauche, vos deux mains sur les genoux, ouvrez bien vos coudes, ayez cette sensation d'un dos qui s'ouvre par l'éloignement des omoplates, donc les coudes bien ouverts et venez presser un tout petit peu vers vous mais sans trop vouloir remonter le bas de la colonne. Essayez de garder de la longueur et pressez. Ça va? Mmh. Allez, de là, on va venir replacer nos deux pieds parallèles, largeur du bassin. Et on va venir, position neutre, développer la jambe droite au plafond. Au-dessus de la hanche, pied flex. Alors, ça va faire ceci. J'inspire, je pars vers l'intérieur avec ma jambe, avec ma hanche. Et sur l'expire, je viens ouvrir vraiment dans ma tête de fémur par l'orientation du talon vers le plafond. Et je cherche à faire un cercle et revenir bien par l'intérieur de la cuisse. Évidemment, il ne faut pas que ça bouge dans le bassin. Je ne me promène pas sur mes fesses. Je fixe bien mon bassin au sol, mon centre tenu, et je maintiens bien mes deux fesses au sol. C'est parti, on y va? Allez, c'est parti, et inspire vers l'intérieur, et expire, remonte, serre bien ton centre. Et inspire, 2, maintiens bien ton genou gauche, expire, remonte, laisse pas ton genou s'ouvrir. Inspire, 3. Et c'est à ton centre, expire, reviens. Toujours bien le pied flex, la présence du talon. Inspire et expire. Et le dernier, inspire. Et expire, remonte. Allez, détends un petit peu l'arrière du genou. Viens réouvrir. Avance un peu ton pied gauche vers l'avant. Donc on a l'angle des genoux assez ouvert. On vient placer nos deux mains sous notre cuisse droite. On inspire.
On engage le périnée, on serre le ventre, on vient enrouler le haut du corps, on décolle la tête du sol. Regardez à l'oblique un peu devant vous, abaissez bien les omoplates, sentez que votre tête n'est pas lourde, hein, donc ne la laissez pas tomber vers l'arrière, remontez là. On fait des petits suzos sur deux temps, inspire et expire, 1, 2, inspire, 1, 2, expire, 1, 2, serre bien le centre et inspire. Attrape le dessous de la cuisse à chaque fois, oui, une cuisse, oui, et 2, et si tu peux, tu gagnes un peu dans tes appuis, si tu peux remonter, aller un peu plus haut sur tes vertèbres. Et, ou un peu plus bas. Et. On reste, on détend de nouveau, redépose le dos dans le sol, les mains sur chaque genou, le devant les rotules, les coudes ouverts, la détente du dos. Amenez un peu le regard vers la droite, vers la gauche, en bougeant votre tête, mâchoire relâchée. Trouvez la détente dans vos cervicales et le regard détendu également. Allez, on replace nos deux pieds dans le sol, on retrouve notre position neutre. Abaissez les bras, les omoplates, replacez le menton. Développez la jambe gauche au plafond. Pied flex, fixe bien ton pied droit dans le sol. On démarre par l'intérieur, inspire, descend la jambe vers le genou. Expire, rotation du pied, de la hanche surtout, et ramène au centre. Et inspire, et expire, engage ton périnée, serre le ventre. Et inspire, et expire, essaye de ne pas forcer dans le dos. Et inspire, expire. Et inspire, et expire. Allez, on détend, on ramène. On amène nos deux genoux vers la poitrine, coude ouvert. On va inspirer sur l'expire. On allonge un peu les jambes dans une petite diagonale. On décolle la tête, les bras vont au niveau des oreilles. On inspire, on fait un cercle de bras. Et expire. Et inspire, et expire, tiens bien ton centre, inspire, et expire, inspire, cercle de bras, et le dernier, expire, et inspire. Allez, on vient presser, on détend. Ouvrez les genoux, une main sur chaque genou, laissez tomber vos coudes cette fois-ci. Venez ouvrir le genou droit, on va transférer du poids sur le côté droit, on va se laisser aller tout en contrôlant quand même. Et on va venir rouler sur notre front et vous allez venir regarder derrière vous. Et genou gauche vers le plafond, on continue et on va regarder derrière soi. Et de nouveau. Et derrière soi, trouvez vraiment la détente du poids dans le sol. Et de nouveau. Détendez bien dans vos cervicales et derrière soi. Et on revient au milieu. On va laisser aller nos jambes vers la droite pour s'asseoir. Arrivé sur le côté, on continue ce chemin derrière vous pour planter un pied dans le sol. N'hésitez pas à mettre vos deux mains sur chaque genou pour vous remonter. Pieds parallèles, on se replace devant le miroir. La longueur de la colonne. Allez, on inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et sur l'expire, on fait descendre nos omoplates tout en trouvant cette longueur-là. On déverrouille dans nos genoux, on laisse du poids aller dans nos pieds. Et inspire de nouveau. Et expire. Du poids vers l'avant des pieds.